Alors pour les petits curieux, voici la 93 mm sur 800 de focale, une lunette que j'ai imprimée. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, eh bien oui, ici, j'ai fait une modification parce que eh bien, j'ai remplacé le focuseur que j'ai imprimé par un focuseur que j'ai acheté sur AliExpress. Un petit focuseur voilà, qui s'adapte parfaitement au diamètre du tube. Je vous mettrai les références dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent imprimer la lunette et puis ne pas imprimer le bloc focus et remplacer par ça, ça vaut 15 €. Voilà, 15 € le bloc focus. Ce qui monte le prix de la lunette à peu près 75 €. Voilà. Vous avez ici une petite caméra, la caméra SB Bony 305. Donc c'est pas la version pro, mais bon, c'est quand même une excellente petite caméra. On va la tester ce soir. On va la tester, et bien. Ah bah, la lune elle est dans les arbres. Le temps de régler tous mes appareils et voilà, la lune est dans les arbres du voisin. Mais bon, super. Va falloir que j'attende qu'elle se déporte. Voilà, donc il fait plutôt beau, comme vous pouvez le constater. En ce moment, c'est une denrée rare, donc il faut en profiter. Voilà. Et bien entendu, le petit Maurice qui sera avec nous pour cette séance. Un moment. Oui. Je pense que tout le monde y te fait des petites gratouilles là. Hein. Allez. Alors ici j'ai mon petit moteur. Mon petit moteur d'ascension droite. Bon, je me suis fait un bouton, je me suis imprimé un bouton. Le petit potentiomètre Rikiki là c'est très difficile à manipuler, on n'arrive pas, donc là ici je me suis fait un bouton beaucoup plus sensible. Voilà. Et puis le fait de l'avoir, je l'ai fait en blanc, ce qui fait qu'on voit la diode derrière, ça fait un petit effet dans la nuit, c'est rigolo. Voilà. Bon, voilà le setup pour ce soir. Bon, les amis, voilà, j'ai aussi ma trousse de crayons. Donc c'est une petite pochette sympa, mais tous mes crayons sont à l'intérieur. Parce que bon, je vais peut-être tester la petite caméra là, mais je vais aussi m'amuser. Dessiner forcément. Il n'y a plus qu'à attendre que le ciel s'assombrisse un petit peu plus. Là je vais aller casser la croûte et puis je reviens. Hein, vous m'attendez ? Bon voilà, je suis assez satisfait de cette petite caméra, en tout cas en ce qui concerne l'acquisition lunaire. Alors elle est censée pouvoir faire de l'acquisition ciel profond, mais bon, je suis pas vraiment équipé pour le ciel profond. Hein. J'ai une EQ1 motorisée avec un petit moteur qui péniblement réussit à suivre. Voilà, donc on va se contenter du lunaire et puis on va essayer le planétaire. Tout à l'heure on aura les planètes géantes, hein, donc Saturne et Jupiter qui vont arriver. Voilà. Bon allez, je vais continuer à regarder tout ça. C'est pas mal, hein, franchement. On est plutôt bon. Je vais essayer de cibler. Alors c'est quand même vachement pratique, hein, ce petit bouton que je me suis fait là. Parce qu'on voit le bouton de manipulation dans la nuit.
Et donc là, ça me permet eh bien, de faire varier la vitesse de mon moteur sans aucun souci. Ah, c'est encore un peu flou. Voilà, c'est bien, au plein milieu. C'est super. Super, super. Voilà, bien sûr, après on traitera tout ça avec PIPP et puis Registax. Voilà. Bon les amis, c'est l'heure de l'astrodessin et donc ben voilà, je vais ouvrir ma petite pochette de crayon que je vais mettre ici. Hop. Voilà. C'est pas beau tout ça? Ça c'est du Mathias. Donc on a les estompes, on a ici les crayons gris, donc du plus dur au plus gras. Il m'en manque un ici, où je retrouve. On a ici le marqueur blanc. Ici, on a des crayons noir, noir, noir charbon. Ici, on a des couleurs pour. Donc, on a des bruns, des bleus, etc. Des blancs. Et donc, ici, les blancs sont ici. Hein. Donc, tous les crayons blancs sont là. Voilà, donc je vais prendre ma petite planchette à dessin, feuille noire. On voit bien ici au niveau des bords, feuille noire, voilà. Et puis on va faire le dessin de M27. Voilà. C'est qui là? Oh mais c'est Momo. C'est un Maurice. Pas dans la vie. T'es venu voir papa. C'est M27. Bisous. Alors M27, voilà, donc ici il faut que je passe à coup d'estompe pour faire un effet de blur. Parce que c'est quand même hyperflux. Bien à éclairer là, c'est chiant hein, l'éclairage.
compliqué, hein, l'astrodessin avec une caméra. Est-ce que ça donne à peu près 27 avec la 90 mm? Je suis pas encore tout à fait satisfait. Voilà qui est un peu mieux. Bon, je vais continuer, je vais éteindre la caméra, je vais continuer un peu. L'œil à l'oculaire. Voilà, tout à l'heure. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, ouais. Encore une fois, c'est compliqué à filmer. Alors, faire des vidéos de dessins astro, c'est la galère. Le mieux, alors, j'ai fait le champ étoilé tout autour. De la nébuleuse M27. Alors, le mieux ce serait peut-être qu'on rentre bien au chaud et puis que je vous fasse voir ça en lumière blanche, hein. Ouais, je crois que ce sera beaucoup mieux si on rentrait. On va ranger les crayons. On va ranger la jolie petite 90 800 et puis l'ordinateur. Voilà.